Bien, salut à toi à tous les gamers, c'est Ski, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 16. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un glitch vous permettant de dupliquer tous vos joueurs à l'infini. Donc c'est parti. Donc vous allez acheter un joueur ou un joueur que vous avez directement dans le club. Donc moi je vais prendre un joueur que j'ai dans le club, donc Abdelhaoué en l'occurrence. Puis pour faire le glitch, il faudra appuyer sur carré, puis chercher le nom du joueur, donc là c'est Abdelhaoué. Puis mettre joueur concept, faire rechercher. Là on trouve le joueur en joueur concept. Donc pour que le glitch marche, il faudra appuyer sur carré, croix en même temps, plusieurs fois. Et une fois que ça vous amènera à appliquer consommable, il faudra plus qu'à faire rond. Et là vous pouvez voir que le glitch a marché, que c'est les mêmes. Donc voilà, petite duplication, c'est sympathique. Donc après on va continuer. Hein. Donc après vous pouvez faire ça avec tous les joueurs que vous voulez, ça marche. Donc là on va prendre pareil, Abdelhaoué, on continue à faire carré croix. Voilà, appliquer consommable, ça l'a mis, rond, et voilà, dupliquer. Donc on va prendre un nouveau joueur maintenant dans mon équipe, donc rechercher dans mon club. On va prendre Suki. Donc pareil, vous allez rechercher son nom. Non, voilà, Suki. Vous allez faire joueur concept, rechercher. Donc là il est en deux fois, mais on va prendre celui parce que j'ai pas le boost. Donc on prend celui-là. Carré croix, carré croix, carré croix. Appliqué consommable. Et vous pouvez voir qu'il s'est dupliqué. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Et de vous abonner. Je remercierai aussi les chaînes communautaires qui m'applaudiront. C'est vraiment super sympa de votre part. Donc merci à vous. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, peace !